For the King of Glory, acclamons le Seigneur pour la gloire du royaume. I'm expecting one thing from all of us today. J'espère, j'attends quelque chose de tout un chacun ici ce soir. Maximum cooperation. Le maximum de collaboration. Trusting the Lord to put our stones together. Et que je demande Seigneur que nous puissions mettre nos forces ensemble. Elijah wanted to command fire from heaven. Élie voulait ordonner le feu du ciel. On the Mount of Carmel. Sur le mont Carmel. And he told all the 12 tribes of Israel. Et il a dit aux 12 tribus d'Israël. To present stones. D'apporter des pierres. A stone for a tribe. Une pierre par tribu. When the stones were brought together, et quand les pierres étaient mises ensemble, the Bible said he prayed, la Bible dit qu'il pria and the fire fell. Et le feu tomba du ciel. And so the thing will not only come from the pulpit. Donc le feu ne viendra pas seulement du pupitre. As and when you present your stones, donc comme vous présenterez votre pierre, your shout, your clap, your vos cris, vos acclamations, vos joies, then the fire will fall. Alors le feu descendra du ciel. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Before you take your seat, high five three people around you and tell them you are too blessed to be stressed. Avant que vous ne vous asseyez, tournez-vous vers cinq personnes et dites-lui, vous êtes trop béni pour être stressé. And please take your seat in the presence of God. Et veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Hallelujah. I'm preaching briefly. Je vais prêcher très brièvement. On a subject I've titled "The Curse Is Reversed." The curse is reversed. La malédiction est renversée. The curse is reversed. Le thème de la malédiction est renversé. High five three people, tell them the curse is reversed. Trouve trois personnes et dites-leur la malédiction est renversée. Yeah. We cannot get into the merit of this subject unless we understand what a curse is. Nous ne pouvons pas entrer dans le vif de ce sujet à moins que vous ne compreniez ce qu'est une malédiction. A curse is a word spoken. Une malédiction, c'est une parole qui est dite. Charged by a supernatural power. Et chargée d'une puissance surnaturelle. That power could be demonic or could be positive. Et cette puissance peut être démoniaque ou positive. To empower a people to fail. Pour rendre quelqu'un capable d'échouer. A word spoken. Une parole déclarée. Charged by a supernatural power. Chargée d'une puissance surnaturelle. To empower a people. Pour rendre quelqu'un capable, doter quelqu'un. A family. Une famille. A business. Une affaire. Even a church. Même une église. An individual to fail. Un individu, le doter de l'échec. So in Proverbs 18. The verse 20 to 21. Donc dans Proverbe 18, verset 20 à 22. The Bible says, a man's belly shall be satisfied. La Bible dit que le ventre d'un homme sera satisfait. With the fruit of his mouth. Des paroles, des fruits de sa bouche. And with the increase of his lips shall he be filled. Et avec aussi l'accroissement de son inspiration. Death and life.
La vie, la mort et la vie are in the power of the tongue. Sont au pouvoir de la langue. And they that love it shall eat the fruit thereof. Et ceux qui l'aiment en mangeront donc les fruits. Now, because life and death is in the power of the tongue. Et puisque la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, you can make a choice whether to speak positively or negatively. Vous pouvez donc faire votre choix, soit de déclarer des paroles positives ou de déclarer des paroles négatives. But some people, instead of using their tongue positively, will use it negatively to pronounce curses on people. Mais des gens, au lieu d'utiliser leur langue positivement, l'utiliseront négativement et déclareront des malédictions sur d'autres. And when they speak them, et donc quand ils les déclarent, because there is power on the tongue. Mais parce qu'il y a donc le pouvoir dans la langue. What they say, ce qui est dit, if it is not rejected, si ce n'est pas rejeté, if it is not resisted, si on n'y résiste pas, hence up coming to pass, certainement viendront à accomplissement. That's why the Bible tells us, let the weak never say I'm weak. Instead of saying I'm weak, let the weak say I'm strong. C'est pourquoi la Bible nous dit que le faible ne dise pas je suis faible. Au lieu que le faible dise je suis faible, il vaut mieux qu'il utilise sa bouche pour déclarer qu'il est fort. That's why the Bible says, let the poor never say I'm poor, because as soon as you say I'm poor, you affirm your poverty. Let the poor say I'm rich. Et c'est pourquoi la Bible dit aussi que le pauvre ne dise pas qu'il est pauvre, que le pauvre ne déclare pas sa pauvreté, mais que le pauvre plutôt puisse confesser sa richesse. So a word spoken to empower a people to fail, because there is power in words. Donc une parole déclarée pour doter quelqu'un de la capacité d'échouer, parce qu'il y a la puissance dans la parole. Example of a curse from the Bible perspective in the Old Covenant. Par exemple, la malédiction. An example of a curse from the old covenant. Un exemple de malédiction, de parole de malédiction dans la perspective de l'Ancien Testament. In Joshua chapter 6 and the verse 26. Dans Josué chapitre 6 verset 26. After the people of Israel had moved around the walls of Jericho 7 days, and after the 7th day they have shouted for the walls to tumble down, the Bible says that Joshua pronounced a curse or released an injunction over the city of Jericho. La Bible déclare que après que les enfants d'Israël aient fait le tour de Jéricho pendant 7 jours et que à la fin ils aient parlé, loué Dieu, que les murs se soient effondrés, alors Josué s'est tenu debout pour déclarer une parole de malédiction pour faire une injonction sur Jéricho. He said, cursed be the man before the Lord that riseth up and buildeth or refurbisheth this Jericho city. He shall lay the foundation thereof in his firstborn, and his youngest son shall set up the gates of it. So he pronounced an injunction over the city. Alors Josué prononça une injonction, une malédiction ferme sur Jéricho. Il dit, maudit soit devant l'Éternel celui qui se lèvera pour rebâtir Jéricho. Il posera la fondation avec son fils aîné et il finira cette construction avec son Benjamin. And then some years after, it's believed that it was 500 years after Jericho, after Joshua had declared this injunction over the city of Jericho, a certain man called Hiel, the Bible said, also stepped into the moment and refurbishes the wall. And when he began to build the walls, the Bible says that he started with his firstborn dying and completed the gates with his lastborn dying to fulfill the curse 500 years ago that was pronounced by Joshua over the city of Jericho. Alors la Bible déclare que 500 ans après, un homme nommé Hiel s'est levé et qu'il s'est décidé de rebâtir Jéricho. Alors quand il commença et posa la fondation, il perdit son fils aîné. Donc son fils aîné mourut avec la fondation de Jéricho. Et lorsqu'il en posa la dernière porte, son Benjamin également perdit la vie pour amener à accomplissement la parole que Josué avait prononcée sur Jéricho, disons donc 500 ans auparavant. This tells us that a curse can linger over a family for about 500 years, over a people, over a nation for about 500 years. C'est pour dire donc qu'une malédiction peut demeurer opérationnel, fonctionnel dans la vie d'une famille, d'un individu, donc tout au long de plus de 500 ans. And when there is a curse over a people, a family or a person,
Et quand il y a donc une malédiction sur un homme, sur une famille, there are some indicators. Il y a donc des signes, des indications. Now, let me quickly say this. This doesn't alors, mean je dirai rapidement. This doesn't mean that the indications I'm going to mention means that should you have any of them, it means there's an automatic case. Faisons très attention, nuançons un peu les choses. Cela ne veut pas dire que les signes avant-coureurs ou indicateurs que je vais énumérer tout à l'heure, il suffit que vous ayez un signe dans votre vie, cela signifie automatiquement que vous êtes sous une malédiction. But sometimes when there is a curse over a people or even over a family, you see most of the times experiencing mental and emotional breakdowns. Vous allez voir que lorsqu'il y a une malédiction sur un individu, sur une famille, la plupart du temps, il souffre d'une défaillance mentale, émotionnelle. Sometimes they have repeated or chronic sicknesses that has no diagnosis. Souvent, ils ont une maladie récurrente sans médicament. Sometimes it brings in breakdown of marriages. Souvent des mariages brisés. Sometimes constant financial insufficiency, even when the income is sufficient. Même lorsque leurs revenus sont suffisants, ils souffrent toujours d'insuffisance financière pour faire face à leurs besoins. Sometimes you sell that death in the family or in that country. Suicidal death. Souvent, ils souffrent de mort prématurée ou bien ils commettent souvent des suicides. This results in humiliation. Sometimes it results in failure, waywardness of children, poverty, etc., etc. Moralité, c'est que cela finit toujours par, comment dirais-je, des humiliations, des échecs, des difficultés souvent dans la famille. But I have a good news for you today. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. If there is a curse that has been pronounced over your life for about 10 years, 20 years, or over your family for about 500 years, I'm here to tell you there is someone we call the Ancient of Days who is in this place to acquit you of that spell. If you believe it, shout amen. S'il y a donc une malédiction sur ta vie qui est prévalue depuis 10 ans, 20 ans, 500 ans et qui a donc été opérationnelle, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'il y a un homme, il y a quelqu'un qui est appelé l'ancien du jour, le rocher des âges, qui est dans cette salle et qui est capable de renverser donc cette malédiction de dessus ta vie. Si tu y crois donc, lève la main et crie « Gloire à Jésus ». In the year 2000, I laid hands on a certain woman, and as I was casting out a devil, as soon as I addressed the demon and said, I adjure you, loose this woman, instantly a spirit manifested through the woman and said, leave me alone. We have been in this family for 200 years, and you want to use 1 second to cast me out. I thank God for the scriptures. I instantly told the demon, somebody died for this woman 2,000 years ago. And so if you have been in there for 200 years, somebody loves her. And somebody has loved her for 2,000 years. So leave her, and instantly the demon left the woman. Hallelujah. Today, any spirit in that family is about to leave in the name of Jesus. Amen. Dans les années 2000, j'ai prié pour une femme qui était sous une malédiction. Aussitôt que je lui ai imposé la main pour chasser le démon de sa vie, l'esprit a répliqué. Et l'esprit m'a dit, mais toi, tu t'amuses. Depuis 200 ans, je suis dans cette famille, je suis dans la vie de cet homme. Et toi, tu penses qu'en une minute, en lui imposant les mains, tu vas me déloger de ce corps? Ce n'est pas possible. Et je lui ai rappelé, si tu es là 200 ans, sache également que depuis 2000 ans, quelqu'un a pris sa malédiction sur lui et a décidé de mourir à sa place, de porter les charges de son accusation à sa place. Pour cela donc, sort de ce corps. Et depuis lors, la famille n'a plus jamais souffert des difficultés dues à cet esprit. Quickly, 3 facts about curses, then I can come to the main thing. 3 facts about curses. Ok, j'aimerais donc donner 3 faits. Concernant les malédictions, et je reviendrai dans le vif du sujet. The first fact is that some people are expert in cursing. La première chose, c'est que des gens sont experts, spécialisés dans malédiction. When Barak wanted to curse the people of Israel, he sought for somebody who was an expert in cursing, Balaam, and he invited him to come and pronounce a curse on God's people. Il y a des gens donc qui savent maudire,
qui ont l'autorité pour maudire, qui sont spécialisés dans la malédiction. Et souvenez-vous, lorsque Balaam voulait maudire Israël, Balaam ne s'est pas levé pour le faire lui-même, mais Balaam a invité un autre homme, Balak, à la personne Barak, de Balak. Balak a invité Balaam. Balak a invité donc Balaam pour venir prononcer une malédiction sur Israël. Today, aujourd'hui, any expect in curse, tout espère en malédiction, in your village, dans ton village, in your hometown, dans ta ville, a sign against your life, et qui parle contre ta vie, invited to come and pronounce a curse on you, invité pour prononcer malédiction sur I stand as an anointed man of God, je me tiens comme un oint de Dieu, and I declare in the name of Jesus, et je déclare dans le nom de Jésus, all their curses have been reversed back to sender. Toutes leurs malédictions sont retournées vers eux-mêmes au nom de Jésus. The Bible said, no weapon formed against you shall prosper. La Bible déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Every tongue that will rise in judgment against you, you shall condemn it. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Balaam was invited to come and curse the people of Israel. Balaam a été invité pour maudire le peuple d'Israël. But my Bible tells me when he came, instead of pronouncing the curse, he opened his mouth and said, who can count the dust of Israel, the dust of Jacob? There is a God amongst them. Anybody mandated to curse you, this year will bless you. Et mais la Bible déclare que lorsque Balaam arriva et qu'il ouvrit sa bouche pour maudire Israël, comme il ouvra sa bouche à sa grande surprise lui-même, au lieu de maudire Israël, il dit plutôt, qui peut compter Israël? Amen. Israël, il y a au milieu d'Israël un Dieu. Et ce Dieu est ce soir, ce matin au milieu de nous ici. Il est au milieu de toi. Et quiconque ouvrira sa bouche pour te maudire, cette malédiction se retournera sur lui. Quiconque ouvrira sa bouche pour te maudire, il ouvrira plutôt sa bouche pour te bénir. If anybody take you to the fetishes or the marabout, when they mention your name, the Holy Ghost will appear. Si quiconque prend ton nom, ta personne, un objet de toi pour l'amener chez le marabout, chez le féticheur, lorsqu'on invoquera ton esprit, le Saint-Esprit apparaîtra plutôt. Si vous croyez, crie amen très fort. If you believe it, shout amen. The second fact about curses is la seconde chose concernant la malédiction, some people bless us in the morning or before us with blessings, but behind us they pronounce curses against us. Des gens se lèvent et de façon hypocrite sans prononcer une bénédiction sur nous très tôt le matin, mais en réalité la pensée qui sous-tend cette parole de bénédiction est une malédiction. Psalm 62 verse 4. Psalm 62 verset 4. They only consort to cast him down from his excellency. They delight in lies. They bless with their mouth, but they curse inwardly. Ils bénissent avec la bouche, mais ils vous maudissent intérieurement. Ils s'assemblent très tôt le matin pour faire des pronostics sur nos vies. They will look at you and say, oh, ma sœur, que Dieu te bénisse. Mais derrière toi, they are pronouncing curses. Oh, they are wishing they shall for rise you. Up, look at you and say, oh dear sister, may the Lord bless you. Mais en réalité, derrière cette parole, c'est une malédiction qui prononce. They are at your workplaces. Il y a des endroits. They are at your workplaces. Ils sont dans vos lieux de service. They are in your families. Ils sont dans vos familles. Wishing you evil. Qui vous veut du mal. Expecting that nothing good comes into your life. Espérant que rien de bon ne puisse sortir de votre vie. You and your children and your children's children avec vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. They are covered. Ils sont couverts. No expectation of the wicked against you shall prevail. L'espérance des sorciers de la méchanceté ne pourra s'accomplir. The third fact is that la troisième chose concernant la malédiction, God can turn every curse into a blessing. Dieu peut renverser toute malédiction en bénédiction. Deutéronome 23 verse 5. Deutéronome chapitre 23 verset 5. The Bible says, la Bible dit, that Balaam was hired to come and curse Israel, but God turned the curse into a blessing. Balaam a été un mercenaire qui a été donc embauché pour prononcer
une malédiction, mais Dieu a renversé, transformé cette malédiction en bénédiction. God can turn the curse into a blessing. Dieu peut changer une malédiction en bénédiction. Today I stand in the name of God. Aujourd'hui, je me tiens au nom du Seigneur. And I declare over your destiny. Et je déclare sur ta destinée. Over your ministry. Sur ton ministère. Over your marriages. Sur ton mariage. Over your health. Sur ta santé. Every curse is turned to a blessing. Que toute malédiction est changé en bénédiction. Je dis, toute malédiction est transformée en bénédiction sur ta vie. Tell three people around you the curse is reversed. Dis à trois personnes autour de toi, la malédiction est renversée. There are causes to curses. Il y a des causes qui sous-tend des malédictions. And of course, we Africans know them very well. Et nous Africains, nous les connaissons bien. A lot of them, but I will quickly run through only three of them. Il y en a beaucoup, mais je vais juste donner trois. We have self-imposed Il y a les curses. Malédictions auto-imposées. The curses you impose on yourself by virtue of the things you open your mouth to say. Les malédictions que vous-même vous attirez sur votre tête par les paroles que vous avez prononcées. When the Jewish people wanted Jesus to be executed. Quand les Juifs voulaient que Jésus soit donc exécuté. In Matthew chapter 27, the verse 24 downwards. Dans Matthieu 27, verset 24 vers la fin. The Bible says that la Bible déclare que they were willing to get Jesus executed in spite of whatever that was going to happen. Ils étaient déterminés à faire crucifier Jésus quoi qu'en soient les circonstances. When Pilate washed his hand from off. The execution of Jesus. The Bible said the Jewish people opened their mouth and said something. Quand Pilate donc s'en est lavé les mains, la Bible déclare que les Juifs eux-mêmes ont ouvert leur bouche et ont dit quelque chose. They said, "May his blood come upon us and our children's children." Et ils ont dit que son sang soit sur nos têtes et sur la tête de nos enfants et de nos petits-enfants. No wonder a lot of things are happening there these days. How do you open your mouth to pronounce a curse that comes on you, your children and your children's children? Comment peuvent-ils ouvrir leur bouche pour déclarer une malédiction sur leur vie, la vie de leurs enfants et des enfants de leurs enfants? The second cause of la curses. Deuxième cause de malédiction. Is what we normally know amongst us called the ancestral curses. Ce sont les causes que nous connaissons habituellement et qui sont appelées les malédictions ancestrales. The great grandfather consulted the shrine, did some alliance or connections with them and brought some curses upon us. Lamentation 5 and 27. Our fathers have sinned. They are dead and are no more, but we are bearing the consequences of their sins. Amen. L'arrière-grand-parent, l'ancêtre, est allé faire alliance, s'est connecté à un esprit maléfique. Et de ce fait, il a apporté un dieu étranger, une divinité dans la maison. Et alors cela affecte nous aujourd'hui. Et la Bible déclare dans Lamentation chapitre 15 que nos arrière-grands-parents ont péché, mais nous, les enfants, nous en portons aujourd'hui les conséquences. And so because of that, you go to a family and you realize that almost everybody dies of diabetes. It is something passed on from the ancestry and it's come down. But today we are going to stop them because Jesus on Calvary opened his mouth and shouted, "It is finished." Mm-hmm. To let you know you are acquitted from that injunction. If you believe it, lift your hand and shout hallelujah. Et donc pour cette raison, cette malédiction s'exprime d'une certaine manière. Vous verrez dans une famille, toute la famille, à partir d'un certain âge, meurt prématurément d'une maladie particulière, peut-être le diabète. Et c'est comme ça que cela continue de génération en génération. Mais la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui est quoi? C'est que Jésus est mort sur la croix du calvaire pour nous et il nous a dégagé, lavé de cette malédiction-là. Et par conséquent, aujourd'hui, dans cette même salle, je déclare que cette maladie sera arrêtée dans vos vies au nom de Jésus. In your families, nobody roofs a house. Dans ta famille, si personne n'a bâti une maison. In your families, before you get married to a responsible man, you should have one child at least out of wedlock. Et dans ta famille, peut-être avant que tu ne te maries à un homme responsable, décidé à réellement te marier, c'est que forcément tu dois avoir un enfant en mariage d'abord. In your families, grandmama died of SIDA. Mama died of SIDA. You are also having SIDA. But tonight, the curse will be broken. Peut-être dans ta famille,
Ta grand-mère est morte du sida, ta mère est morte du sida, et ce soir toi aussi tu as le sida, mais je déclare sur ta vie aujourd'hui que la puissance du sida est arrêtée au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Balance la main si vous êtes là. Oh, alléluia. Please, are you there with us? Can you shout your big wave your hands. Crie, alléluia! Gloire à Jésus! Dis Seigneur, je suis là. Abraham was very anointed. Abraham était très oint. I love and respect him as my dad. Je l'aime bien et je le respecte comme étant mon père. Got to the frontiers of Egypt and lied about his wife. Il est allé à la frontière d'Égypte et il a produit un gros mensonge sur sa femme. She is my sister. Elle est ma sœur, a-t-il dit. Went to Gera, lied to Abimelech. She is my sister. Et il est allé à Gera, il a menti encore à Abimelech. Il a dit, c'est ma sœur. Years after, his son Isaac, under the same condition, the same pressure, in the same city, he also lied. Et des années après, son fils bien-aimé Isaac, dans les mêmes conditions, dans la même ville et dans la même période, lui aussi, il a aussi menti. That Rebecca is my sister. Que Rebecca est sa sœur. Isaac grew about to bless his elder son called Esau, and Jacob feigned himself to be Esau and came took the blessing of Esau upon his life. So grandfather lies, son lies, grandson has lied. Continue. Et alors, des années après, Isaac vieillit et Isaac devait bénir son fils aîné Esaü. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son cadet Jacob s'est déguisé et a pris donc les traits d'Esaü et s'est présenté à son père pour pouvoir donc usurper la bénédiction. Moralité, qu'est-ce qu'on en conclut? Le père a menti, le fils a menti, le petit-fils aussi a menti. Years after, 10 of the sons of Jacob connived to sell their brother and then brought his clothes as if an animal had torn him into pieces. So grandfather lies, father lies, son lies, and grandsons have lied. Et des années encore après, 10 enfants de Jacob lui-même se sont mis ensemble pour fomenter un joli coup. Ils ont jeté leur frère dans un puits, pris ses vêtements, et ils les ont tachés donc du sang d'animaux, et ils ont apporté ce vêtement à leur père menteur, et ils ont menti donc à leur père pour lui dire qu'un animal a déchiré ton fils bien-aimé. Et en définitive, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le père a menti, le fils a menti, le petit-fils a menti, et l'arrière-petit-fils aussi est menteur. Church, what is it that is running through the family line? Alors, église, qu'est-ce qui est en train de serpenter donc à travers la généalogie? Today, aujourd'hui, you are a child of God. Tu es enfant de Dieu. If any man be in Christ, he's a new creation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. The old is passed away. Alors les choses anciennes sont passées. Behold, everything has become new. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. And so if your great grandfather died of sida, you are not supposed to die of sida. Alors si ton arrière-grand-père est mort du sida ou de quoi, toi tu n'es pas supposé en mourir. On Calvary, the curse was reversed. Sur la croix du calvaire, la malédiction fut donc renversée. Galatians chapter 3, 13 to 14. Galates 3, 13 à 14 déclare. Paraphrase, Christ has redeemed us from every curse of the law. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. I came to tell you that if there is any curse on your family, Christ has redeemed you from that curse. Et je suis venu te déclarer que s'il y a quelque malédiction sur ta vie de par la famille où tu as été né, Christ t'a racheté de la malédiction de la loi. Every curse of any sickness, you have been redeemed from it. Toute malédiction qui sous-tend quelque maladie que ce soit dans ta vie, je te déclare aujourd'hui que tu en as été donc racheté. Every curse of premature death, you have been redeemed out of it. Toute malédiction de mort prématurée sur ta vie, de par la famille d'où tu es sorti, je déclare ce matin donc que tu en as été racheté. Ephesians chapter 1 verse 7. Ephesians chapter 1 verse 7. In him we have redemption through his blood. Nous avons la rédemption par son sang. Church, there is power in the blood of Jesus. Église, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Those of the old covenant. Les gens de l'Ancien Testament. Who experience even the shadows of the things to come. Qui ont expérimenté l'ombre des choses à venir, were able to smear the blood of animals on their doorposts, and the angel of death passed over them. Était capable
d'asperger le linteau de leur porte avec le sang d'animaux et la mort n'a pas été capable de rentrer dans leur maison, mais la mort était passée par-dessus eux. In the new covenant, dans la nouvelle alliance, the Bible says that, la Bible déclare, and the substance is Christ. Et que l'évidence des choses sont en Christ. So if we have the substance, alors si nous avons donc l'évidence, and the shadows of things to come was able to stay deaf from alors, the people. Et alors l'ombre de l'évidence que nous avons aujourd'hui a été capable de couvrir des gens et de leur éviter la mort. Then you are covered from alors, Ebola. Alors vous êtes couvert de toute mort prématurée. You are covered from Ebola. Vous êtes couvert contre Ebola. Oh, est-ce que vous êtes là? Are you here with us? Are you getting the revelation? The Bible says we have a better covenant with better promises. La Bible dit que nous avons une meilleure alliance, de meilleures promesses par l'alliance que nous avons avec lui. We have been redeemed through his blood. Nous avons été donc rachetés par le sang de l'alliance éternelle. If your grandfather sold you to an idol, si ton grand-père donc t'a vendu à une idole, by virtue of the alliance he made with those shrines, par la vertu des alliances qu'il a contractées avec ces idoles, another covenant has been. Il y a une autre alliance plus forte. Through the blood of Jesus, par le sang de Jésus, the curse is reversed. La malédiction est donc renversée. Therefore, I declare over your life. Pour cela, je déclare sur ta vie. You can step out there and make it. Tu peux donc sortir de la malédiction et réussir. You can go out there and succeed in your ministry. Tu peux donc sortir et réussir dans ton ministère. Your business can prosper after today. Tes affaires donc peuvent prospérer. Goodness and mercy will follow you all the days of your life. La miséricorde de Dieu te suivre tous les jours de ta vie. Lève-toi et crie. Lève-toi donc sur tes pieds et crie gloire à Jésus. 1 John 3:8. For this purpose the Son of Man was made manifested. C'est pour cela que le Fils de Dieu a été manifesté. That he might destroy the works of the devil. Afin donc de détruire les œuvres du diable. He came to destroy the works of the devil. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. I don't know which work of the devil. Je ne sais quelle œuvre du diable est opérationnelle dans ta vie. That is operating in your life. Qui opère dans ta vie. At the mention of the name Mais Jesus. En invoquant le nom de Jésus. Every knee bow. Tout genou fléchi. Including that curse on your life. Oh, y compris les malédictions sur ta vie, y compris les malédictions sur ta famille, y compris les malédictions sur cette vie. You believe it, shout si Jésus. Tu as crié Jésus. Est-ce que vous allez crier Jésus trois fois? Si tu shout Jesus three times. Listen. Écoutez, you should not go through that thing again. Tu ne dois plus subir ces choses. Something happened when you became born again. Quelque chose s'est passé quand tu étais né de nouveau. Supernaturally, the whole heavens came into you. De façon surnaturelle, le ciel entier, Dieu est entré en toi. I love what the man of God said. J'aime beaucoup ce que l'homme de Dieu a dit. You have the kingdom within you. Tu as le royaume au-dedans de toi. Than set in this country. Dans cette ville. Where dans they ce say pays. Nobody can make it in your family. Quand on déclare que personne ne peut réussir dans ta famille. What is in you has the potency to break you forth. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Je te déclare que ce qu'il y a en toi est capable de renverser, de briser les limitations. This year you are coming out. Je dis cette année, tu échappes. I said you are coming out. Je dis tu as échappé. I said you are coming out. Je dis tu as échappé. I said you are coming out. Je dis tu as échappé. I said you are coming out. Je dis tu as échappé. I said you are coming out. Je dis tu es sorti de là. Lève-toi, dis gloire à Jésus. How God anointed Jesus. Oh, comment Dieu a oué Jésus. With the Holy Ghost and power. Du Saint-Esprit et de force. Who went about doing good. Qui allait de lieu en lieu. And healing them faisant that were du oppressed. Bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. I came today for the oppressed. Je suis venu aujourd'hui pour ceux qui sont opprimés. I didn't come with enticing words of man's wisdom. Je ne suis pas venu pour déclarer la sagesse humaine. Every oppression on your life. Toute oppression sur ta vie. We demand your acquittal by fire.
Nous demandons la destruction par le feu. We declare your deliverance by fire. Nous déclarons ta délivrance par le feu. Bless the Lord, oh my soul. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Who delivered you out of qui all destructions? Qui te délivre de toute détresse? Every destruction on your life. Toute destruction sur ta every vie. Every injunction placed on you. Toute malédiction posée sur ta that vie. That is blocking your movement. Qui est en train de circoncire ton mouvement? Today we release you in the name of Jesus. Je dis aujourd'hui nous te libérons au nom every de Jésus. Every sickness holding your feet. La malédiction qui te lie. Te kabakuri adistikabate. I release you in the name je of Jesus. Je te libère aujourd'hui au nom de Jésus. I said I release you in the je name of Jesus. Je te libère au nom de Jésus. I release you in the name je of Jesus. Je te libère au nom de Jésus. Stand up and shout hallelujah. Lève-toi et crie gloire à Jésus. Finally. Enfin. Finally. Enfin. Jesus hung on the cross. Jésus fut cloué sur la croix. And shouted, it is finished. Et il a crié, c'est fini. Because Isaiah, parce, in the old covenant, parce que Esaïe, depuis l'Ancien Testament, you see, some theologians believe that Isaiah is a fifth gospel. Et des théologiens croient que Esaïe, c'est le cinquième évangile. Because he prophesied in his day, although in the new covenant, as if he's in the old covenant, as if he was walking with Jesus in the new covenant. Parce qu'il a prophétisé dans l'Ancien Testament des choses à venir exactement comme s'il marchait avec Jésus. A virgin shall give birth to a child and his name shall be called Emmanuel. Et il déclara qu'une vierge concevra, donnera naissance à un enfant et que le nom de l'enfant sera Emmanuel. His name shall be called Wonderful, Mighty God. Son nom sera merveilleux, puis Dieu puissant, Prince de paix. The Prince of Peace. Prince de paix. And his government shall be upon his shoulders. Et la domination reposera sur ses épaules. In 53 downwards, he et says, dans 53, il dit, he was wounded for transgressions. Il a été blessé pour nos transgressions. He was bruised for our iniquities. Il a été brisé pour nos iniquités. The chastisement of our peace was laid et upon him. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé and sur lui. By his stripes, et par ses meurtrissures, we were healed. Nous étions guéris. My goodness. Ladies and gentlemen, I came to tell you the yoke is broken. Gentlemen, je suis venu vous déclarer que le joug est brisé. The curse is broken. La malédiction est brisée. There are some people here every year somebody dies in your family. Il y a des gens ici chaque année quelqu'un doit mourir dans votre famille. It ends today. Aujourd'hui c'est la fin. I said it ends today. Je dis aujourd'hui c'est la fin. I said it ends je today. Dis aujourd'hui c'est la fin. There are some people whenever il y a des gens, whenever promotion is coming. Chaque fois qu'il y a une promotion en vue pour they eux, have to die before they experience the promotion. Ils doivent mourir avant d'en jouir. I came to stand with you. Je suis venu pour vous soutenir. And we declare through the efficacy of the eternal covenant of et the blood. Et nous déclarons par l'efficacité de l'alliance éternelle. That today. Aujourd'hui, the curse is totally la malédiction est brisée pour toujours. Lift your hands up for me. Lève ta main. Meko vasatahaya. Librostike pa. Livozagabahaza. Yelostika paria. Come on, lift your hands. Viens, lève tes mains, bien-aimé. You want to lift your voice. Tu dois lever ta voix. And declare. Et déclarer. That the word says that. Que la parole dit. The Bible says that. La Bible dit. I will know the truth and the truth will make me free. Je connaîtrai la vérité m'affranchira. By virtue of the truth. Par la vertu de la vérité. I am freed from every curse. Je suis libre de toute malédiction. I'm freed from every injunction. Je suis libre de toute injonction. I'm freed from every spell. Je suis libre de toute parole. I'm on my way to prominence. Et je suis en voie pour la prééminence. I am on my way to success. Je suis en voie pour le succès. So every malédiction ancestral. And every ancestral curse. I am out of it. J'en suis sorti. Come on, lève la voix, commence à prier. Oh, lift up your voice. Commence par prier. L'embrosteke pahanda. Yele et didi gada. Randogo ye maria handele. Ripostutu zorobahinda lia. Lève la voix. Yapakata. Yambrosteke pahalia. Re. Pri. Rada, rada. Yaga. Androsteke pahile. Yimas. Hey, nous ordonnons à toute malédiction d'être
brisées. Reste canda Lift your hands up for me, hallelujah. Lift them. Listen, demons love it when you give them access to come out. Vous aimez les démons, ils aiment quand vous leur donnez une voie de sortie. And for your information, the cases were being enforced by some super beings and some entities. Et vous voyez, les malédictions and some forces. Sont renforcées, donc par des entités spirituelles. And as we're dealing with them, et comme nous sommes en train de les traiter, if there should be any residue, s'il doit y avoir des résidus, they are coming out totally. Ils sortent complètement maintenant. And you see, they come out sometimes through yawning. Ils viennent par des bâillements, on bâille. Sometimes through sweat. Parfois par la sueur. Or they love to come out through slippery things. Mais ils aiment sortir donc par des choses fluides, de façon donc. So just open up and lift your hands up for me. Ouvrez donc votre cœur et levez les mains. Say Jesus. Dis Jésus. Je vous attends pas encore plus fort. Every spirit, tout esprit, behind the curse, derrière la malédiction, against my life, contre ma vie, against my destiny, contre mon destin. Today, because of the blood of Jesus, à cause du sang de Jésus, I am free. Je suis libre. And if the Son shall make me free, et je suis rendu donc libre. De, si le Fils, si le Fils m'a franchi, I shall be free indeed. Je suis réellement libre. Therefore, I declare today. Pour cela, je déclare aujourd'hui. I am free from every curse. Je suis libre de toute malédiction. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. As I shout. Comme je dis. Crie, as comme I shout, je crie. As I shout. Comme je le crie. We are about to shout. As I shout. Comme je crie maintenant. Let the residue come out. Que les résidus de cette malédiction sortent. Est-ce que vous êtes prêts de crier? Êtes-vous prêts pour crier? 1, 2, 3, crier! Yeah! 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 Within the next few minutes. Une minute, s'il vous plaît. Within the next few minutes, lift your hands up. Dans quelques minutes encore, s'il vous plaît, levez les mains. And close your eyes, please. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Yeah, I feel strongly in my spirit. Je le sens fortement dans mon esprit. That there are some sicknesses and some problems some people are going through. They are being backed by some forces. Il y a des problèmes, des maladies que les gens traversent qui sont
vraiment renforcés par des esprits. Avec quelques types de problèmes, but there are some spirits behind them. Il y a des esprits derrière ces problèmes. As your hands are lifted, et comme vos mains sont levées maintenant, I'm going to take authority over those spirits. Je vais prendre autorité sur ces esprits. And adjure them to leave you alone. Et je vais les obliger à vous quitter. Ushers, be very, very attentive. Surveillants, soyez très attentifs. Some manifestations may take place. Des manifestations peuvent se produire. Anybody God will touch, I want you to bring out. I just want to lay hands on them quickly. Et toute personne qui sera touchée par la puissance, j'aimerais que vous les ameniez ici. Je vais leur imposer la main. Father, Père, your word has gone forth. Ta parole est sortie. You confirmed your word. Et tu confirmes ta parole. With signs following. Par des signes qui l'accompagnent. Today, aujourd'hui, any spirit, tout esprit, any demon, tout démon, any power, tout pouvoir, behind any situation, derrière n'importe quelle situation, in the name of Jesus, au nom de Jésus, the name that is above, le nom qui est au-dessus de tout nom, I command that demon out. J'ordonne à ce démon de sortir. I command you out of them. Je t'ordonne dehors. Every voodoo power, tout pouvoir vaudou, every marabout spirit, tout esprit de marabout, every cricket demon, capable de rentrer dans leur maison, mais la mort était passée par-dessus eux. In the new covenant, dans la nouvelle alliance, the Bible says that, la Bible déclare, and the substance is Christ. Et que l'évidence des choses sont en Christ. So if we have the substance, alors si nous avons donc l'évidence, and the shadows of things to come was able to stay deaf et from alors, the people, l'ombre de l'évidence que nous avons aujourd'hui a été capable de couvrir des gens et de leur éviter la mort. Then you are covered from alors Ebola. Vous êtes couvert de toute mort prématurée. You are covered from Ebola. Vous êtes couvert contre Ebola. Oh, est-ce que vous êtes là? Are you here with us? Are you getting the revelation? The Bible says we have a better covenant with better promises. La Bible dit que nous avons une meilleure alliance, de meilleures promesses par l'alliance que nous avons avec lui. We have been redeemed through his blood. Nous avons été donc rachetés par le sang de l'alliance éternelle. If your grandfather sold you to an idol, si ton grand-père donc t'a vendu à une idole, by virtue of the alliance he made with those shrines, par la vertu des alliances qu'il a contractées avec ses idoles, another covenant has been. Il y a une autre alliance plus forte. Through the blood of Jesus, par le sang de Jésus, the curse is reversed. La malédiction est donc renversée. Therefore, I declare over your life. Pour cela, je déclare sur ta vie. You can step out there and make it. Tu peux donc sortir de la malédiction et réussir. You can go out there and succeed in your ministry. Tu peux donc sortir et réussir dans ton ministère. Your business can prosper after today. Tes affaires donc peuvent prospérer. Goodness and mercies will follow you all the days of your life. La miséricorde de Dieu te suivre tous les jours de ta vie. Lève-toi, Lève-toi donc sur tes pieds et crie gloire à Jésus. 1 John 3:8. For this purpose the Son of Man was made manifested. C'est pour cela que le Fils de Dieu a été manifesté. That he might destroy the works of the devil. Afin donc de détruire les œuvres du diable. He came to destroy the works of the devil. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. I don't know which work of the devil. Je ne sais quelle œuvre du diable est opérationnelle dans ta vie. That is operating in your life. Qui opère dans ta vie. At the mention of the name Mais Jesus. En invoquant le nom de Jésus. Every knee bow. Tout genou fléchi. Including that curse on your life. Oh, y compris les malédictions sur ta vie. Y compris les malédictions sur ta famille. Y compris les malédictions sur cette vie. You believe it, shout Jésus. Crois, crie Jésus. Est-ce que vous allez crier Jésus trois fois? Si tu... Shout Jesus three times. Listen. Écoutez, you should not go through that thing again. Tu ne dois plus subir ces choses. Something happened when you became born again. Quelque chose s'est passé quand tu étais né de nouveau. Supernaturally, the whole heavens came into you. De façon surnaturelle, le ciel entier, Dieu est entré en toi. I love what the man of God said. J'aime beaucoup ce que l'homme de Dieu a dit. You have the kingdom within you. Tu as le royaume au-dedans de toi. Than set in this country.
dans cette ville, where they say nobody can make it in your family. Quand on déclare que personne ne peut réussir dans ta famille, what is in you has the potency to break you forth. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Je te déclare que ce qu'il y a en toi est capable de renverser, de briser les limitations. This year you are coming out. Je dis cette année, tu échappes. I said you are coming out. Je dis tu as échappé. I said you are coming out. Je dis tu as échappé. I said you are coming out. Je dis tu as échappé. I said you are coming out. Je dis tu as échappé. I said you are coming out. Je dis tu es sorti de là. Lève-toi, dis gloire à Jésus. How God anointed Jesus. Oh, comment Dieu a oué Jésus. With the Holy Ghost and power. Du Saint-Esprit et de force. Who went about doing good. Qui allait de lieu en lieu. And healing them faisant that were du oppressed. Bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. I came today for the oppressed. Je suis venu aujourd'hui pour ceux qui sont opprimés. I didn't come with enticing words of man's wisdom. Je ne suis pas venu pour déclarer la sagesse humaine. Every oppression on your life, toute oppression sur ta vie. We demand your acquittal by fire. Nous demandons la destruction par le feu. We declare your deliverance by fire. Nous déclarons ta délivrance par le feu. Bless the Lord, oh my soul. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Who delivered you out of qui all destructions? Te délivre de toute détresse. Every destruction on your life. Toute destruction sur ta every vie. Injunction placed on you. Toute malédiction posée sur ta that vie. That is blocking your movement. Qui est en train de circoncire today ton mouvement. Today we release you in the name of je Jesus. Dis aujourd'hui nous te libérons au nom every de Jésus. Sickness holding your feet. La malédiction qui te lie. I release you in the name of Jesus. Je te libère aujourd'hui au nom de Jésus. I said I release you in the name of Jesus. Je te libère au nom de Jésus. I release you in the name of Jesus. Je te libère au nom de Jésus. Stand up and shout hallelujah. Lève-toi et crie gloire à Jésus. Finally. Enfin. Finally. Enfin. Jesus hung on the cross. Jésus fut cloué sur la croix. And shouted, it is finished. Et il a crié, c'est fini. Because Isaiah, parce, in the old covenant, parce que Isaïe, depuis l'Ancien Testament, you see, some theologians believe that Isaiah is a fifth gospel. Et des théologiens croient que Isaïe, c'est le cinquième évangile. Because he prophesied in his day, although in the new covenant, as if he's in the old covenant, as if he was walking with Jesus in the new covenant. Parce qu'il a prophétisé dans l'Ancien Testament des choses à venir exactement comme s'il marchait avec Jésus. A virgin shall give birth to a child and his name shall be called Emmanuel. Et il déclara qu'une vierge concevra, donnera naissance à un enfant et que le nom de l'enfant sera Emmanuel. His name shall be called Wonderful, Mighty God. Son nom sera merveilleux, puis Dieu puissant, Prince de Paix. The Prince of Peace. Prince de Paix. And his government shall be upon his shoulders. Et la domination reposera sur ses épaules. In 53 downwards, he et says, dans 53, il dit, he was wounded for transgressions. Il a été blessé pour nos transgressions. He was bruised for our iniquities. Il a été brisé pour nos iniquités. The chastisement of our peace was laid et upon him. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé and sur lui. By his stripes, et par ses meurtrissures, we were healed. Nous étions guéris. My goodness. Ladies and gentlemen, I came to tell you the yoke is broken. Gentlemen, je suis venu vous déclarer que le joug est brisé. The curse is broken. La malédiction est brisée. There are some people here every year somebody dies in your family. Il y a des gens ici chaque année quelqu'un doit mourir dans votre famille. It ends today. Aujourd'hui c'est la fin. I said it ends today. Je dis aujourd'hui c'est la fin. I said it ends je today. Je dis aujourd'hui c'est la fin. There are some people whenever il y a des gens, whenever promotion is coming. Chaque fois qu'il y a une promotion en vue pour they eux, have to die before they experience the promotion. Ils doivent mourir avant d'en jouir. I came to stand with you. Je suis venu pour vous soutenir. And we declare through the efficacy of the eternal covenant of et the blood. Et nous déclarons par l'efficacité de l'alliance éternelle. That today. Qu'aujourd'hui, the curse is totally la malédiction est brisée pour toujours. Lift your hands up for me. Lève ta main. Meko vasatahaya. Librostike paha. Livozagabahaza. Yelostika paha. Come on, lift your hands. Bien, lève tes mains, bien aimé. You want to lift your voice. Tu dois lever ta voix. And declare. Et déclarer. That the word says that. Que la parole dit.
The Bible says that la Bible dit, I will know the truth and the truth will make me free. Je connaîtrai la vérité m'affranchira. By virtue of the truth. Par la vertu de la vérité. I am freed from every curse. Je suis libre de toute malédiction. I'm freed from every injunction. Je suis libre de toute injonction. I'm freed from every spell. Je suis libre de toute parole. I'm on my way to prominence. Et je suis en voie pour la prééminence. I am on my way to success. Je suis en voie pour le succès. So every malédiction ancestral. And every ancestral curse. I am out of it. J'en suis sorti. Come on, lève la voix, commence à prier. Oh, lift up your voice. Commence par prier. L'embroste que par handa. Yele et didi gada. Randogo ye maria handele. Riposte tu zoroba hindalia. Lève la voix. Yapakata. Yambroste que par handa. Re. Pri. Rada, rada. Yaga. Androste que par inde. Yimas. Rebro, Riconca Pahalia, Emma Machende Le Mayelene, Pri, Lift your hands up for me, hallelujah. Left them. Listen, demons love it when you give them access to come out. Vous aimez les démons, ils aiment quand vous leur donnez une voie de sortie. And for your information, the cases were being enforced by some super beings and some entities. Et vous voyez les malédictions and some forces. Sont renforcées donc par des entités spirituelles. And as we deal with them. Et comme nous sommes en train de les traiter, if there should be any residue, s'il doit y avoir des résidus, they are coming out totally. Ils sortent complètement maintenant. And you see, they come out sometimes through yawning. Ils viennent par des bâillements, on bâille. Sometimes through sweat. Parfois par la sueur. Or they love to come out through slippery things. Mais ils aiment sortir donc par des choses fluides, de façon donc. So just open up and lift your hands up for me. Ouvrez donc votre cœur et levez les mains. Say Jesus. Dis Jésus. Je vous attends pas encore plus fort. Every spirit. Tout esprit. Behind the curse. Derrière la malédiction. Against my life. Contre ma vie. Against my destiny. Contre mon destin. Today, because of the blood of Jesus, à cause du sang de Jésus, I am free. Je suis libre. And if the Son shall make me free, et je suis rendu donc libre. De, si le Fils, si le Fils m'a franchi, I shall be free indeed. Je suis réellement libre. Therefore, I declare today. Pour cela, je déclare aujourd'hui. I am free from every curse. Je suis libre de toute malédiction. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. As I shout. Comme je dis. Crie, as comme I shout, je crie. As I shout. Comme je le crie. We are about to shout. As I shout. Comme je crie maintenant. Let the residue come out. Que les résidus de cette malédiction sortent.
Est-ce que vous êtes prêt de crier? Êtes-vous prêt pour crier? 1, 2, 3, crier! Yeah! 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 Now, hallelujah. Within the next few minutes, une minute, s'il vous plaît. Within the next few minutes, lift your hands up. Dans quelques minutes encore, s'il vous plaît, levez les mains. And close your eyes, please. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Yeah, I feel strongly in my spirit. Je le sens fortement dans mon esprit. That there are some sicknesses and some problems some people are going through. They are being backed by some forces. Il y a des problèmes, des maladies que les gens traversent qui sont vraiment renforcé par des esprits. Avec quelques types de problèmes, but there are some spirits behind them. Il y a des esprits derrière ces problèmes. As your hands are lifted, et comme vos mains sont levées maintenant, I'm going to take authority over those spirits. Je vais prendre autorité sur ces esprits. And adjure them to leave you alone. Et je vais les obliger à vous quitter. Ushers, be very, very attentive. Surveillants, soyez très attentifs. Some manifestations may take place. Des manifestations peuvent se produire. Anybody God will touch, I want you to bring out. I just want to lay hands on them quickly. Et toute personne qui sera touchée par la puissance, j'aimerais que vous les ameniez ici. Je vais leur imposer la main. Father, Père, your word has gone forth. Ta parole est sortie. You confirmed your word. Et tu confirmes ta parole. With signs following. Par des signes qui l'accompagnent. Today, aujourd'hui, any spirit, tout esprit, any demon, tout démon, any power, tout pouvoir. Behind any situation. Derrière n'importe quelle situation. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The name that is above le every nom name, qui est au-dessus de tout nom. I command that demon out. J'ordonne à ce démon de sortir. I command you out of them. Je t'ordonne dehors. Every voodoo power. Tout pouvoir vaudou. Every marabout spirit. Tout esprit de marabout. Every cricket demon. Tout démon. Any spirit behind any situation. Tout esprit derrière n'importe you quelle situation. You are out in the name of Jesus. Vous êtes dehors au nom de Jésus. I release them in the name of Jesus. Je les libère au nom de Jésus. Reçois votre délivrance au nom de Jésus. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. Now keep quiet and lift your hands up. Taisez-vous maintenant et levez vos mains. Right now. Maintenant. Receive your deliverance. Recevez votre délivrance. By the count of five. En comptant jusqu'à 5. Let the fire fall now. Que le feu tombe maintenant. 1. 1. 2. 2. Thank you, Lord. 3. Merci, Seigneur. 3. 4. 4. And 5. 5. I command you out now. Je vous ordonne maintenant in sortez. The name of Jesus. Au nom de Jésus. Loose them. Sortez. Bring it, bring it, bring it, bring it, bring it. Amenez-les, amenez-les, amenez-les. I demand your release now. Je t'ordonne, from Seigneur. The front to the back. Je demande que yeah, tu libères la puissance bring de that devant man, jusqu'à bring la man. Fin. Bring that man. I demand your deliverance now. Je demande la délivrance you maintenant. You foul spirit. Vos esprits I maléfiques. I command you out. Je vous ordonne de sortir. In the name of Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank merci, Holy Saint-Esprit Ghost. De Dieu. Bring this lady. Hold my hand. Approchez-la. I transfer the power. Je te transfère la puissance. Declare your acquittal. Bring this one. Bring this one. Hold me. I demand your liberty now. Je you demande are loose. Liberté maintenant, libéré. Bring that one to you. Thank you. Approchez-la, 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 relevez-la, approchez-la. I release you. I release you. Je te libère. Je te libère. I release you now. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Thank you, Holy Ghost. Paradis to come. Yes, listen. I release fire upon you and declare you freed. Je libère le feu sur toi. Je te déclare libéré. I release that one. Je libère celle-ci. Finalement, levez les mains. I pronounce you blessed. Levez les mains. Je vous déclare béni. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Everybody say Jesus. Tout le monde déclare Jésus. Tu es mon sauveur. You are my savior. Change my life. And I will serve you. Je te servirai. All the days of my life. Tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Can we clap and give him praise? Acclamons Jésus, glorifions son nom.